Salut à tous, c'est Les de Kid. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite session d'une heure sur Tomb Raider Reborn. Yeah, motherfucker. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai laissé en plan, en plein milieu d'une cinématique pour vous mettre le guac. Mais on va la regarder, hein. Par contre, je ne sais pas du tout où on va réapparaître. Ça se trouve, il va falloir un truc que j'ai déjà fait refaire comme la dernière fois. Ça sera pas cool, hein. On va voir où c'est que je vais apparaître. Nyeh. Bon là c'est vous, désolé. Ah bah, je réapparais à la cinématique. Nyeh puis. Allô quoi, non mais allô quoi, non mais allô. Sam, c'est Lara. Oh mon Dieu, Lara, ça fait du bien de t'entendre. Moi aussi, Sam. Est-ce que les autres sont avec toi? Non, j'ai juste réussi à voler une radio à un garde. Un garde? J'ai été enlevée. Quoi? Où es-tu? Je sais pas, un vieux palais japonais. Ils arrêtent pas de parler d'un Oh putain, ils vont la cramer. Ils vont en faire du sushi, ils vont en faire du sushi! Sam! Sam! Oh, il y avait un papillon dans la cascade. Un rituel du feu. Oh, des lucioles! Comme sur la fresque dans le tombeau. Ross, tu es là? Ouais. Je me dirige vers le palais. Les autres y sont enfermés aussi. Ok, je te rejoins et on y va ensemble. Ok! Ouais, d'accord. C'est moi, il y a 2 secondes, elle vient de tomber de là et elle a fait un putain de plouf alors qu'en fait elle a appuyé jusqu'à la hanche, donc en gros elle aurait dû s'éclater contre le sol. Mais bon, c'est pas grave. Où qu'on va? Où qu'on va? Ben on va là-bas, hein. Pas trop le choix. Hein. Encore cette cinématique, ce passage entre les cailloux. Oh, elle a fait un petit cri. Nouveau camp. Flanc de montagne. Ah! Putain, c'est le feu! Oh, ça a fait flipper! J'ai cru que je m'étais pris une flèche. Moi, je croyais que la situation ne pouvait pas empirer. Headshot dans ta gueule. C'était quoi ces choses dans le monastère? Ils étaient vêtus comme des gardes tempêtes. Leur cri était presque inhumain. Merde, arrête, Lara. Écoute-toi. Étranglement action. Ajouter un mode de tir alternatif qui empêche la dispersion. Les vestiges d'une civilisation perdue. Non. Là, je parle vraiment comme papa. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont tué ces hommes et qu'ils n'auraient pas hésité à me tuer moi aussi. Mais je ne dois pas penser à ça pour l'instant. Ah ouais, ça on va attendre d'avoir un peu plus de matériel. De matériaux. Bon, attendez, faut que je me réhabitue avec les toutouches. Parce que vous savez que je suis un peu teubé, hein, sur les bords. Là, il y a plusieurs passages. Pardon, vous ai défoncé les oreilles. Il y a 3 passages là, je fais quoi là? La pied. Et ben putain, commence bien cette session moi, j'ai dis. Oh oui, 9 sur 10 normalement. Nickel chrome. C'est haut. C'est très haut. Bon, il y a 3 passages par où je passe, les gens. Là, je peux pas remonter. Ah, si, c'est bon. Il y a 3 passages, j'aime pas ça, moi. On va aller voir celui dans la cascade, déjà. Attends, déjà, où est l'objectif? Voilà, ok, bah, nickel, on va aller voir celui dans la cascade. Hop, allume-feu. Nickel, des matériaux. Hop. Oh, plein de trucs, les gens. Plein de trucs pour avoir des matériaux. Je ne piche pas. Oh là là. J'en ai marre des énigmes. Non. Ça me saoule plus qu'autre chose. Hop, des matériaux supplémentaires. On ouvre ça. Allez. Open.
Panzato, ou Panzato, ou Panzato. Bon, là, j'imagine qu'il faut que j'allume ça. Ensuite. Faut que je prenne l'autre. Donc je pousse sur lui. Donc il s'allume à son tour. Voilà, nickel chrome. Et que maintenant qu'il est allumé, il faut que je le pousse là-bas. Donc on va attendre qu'il revienne. Nickel. Si j'ai réussi du premier coup, je suis un beau gosse. Allez, 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 allez. Ah, ok, d'accord. C'est fail. C'est fail. Allez. Tape là-dedans. Mais toi, tape. Peut-être trop bas. Peut-être qu'à cette hauteur. À cette hauteur. Oui, cette hauteur. Allez, allez. Oh, le fail. Voilà, cette hauteur, ça ira plus loin déjà. Et ça ira plus loin, mais pas droit. Oh, fuck! Désolé, Kid Feynman, hein, rappelez-vous. Allez, allez! Allez, Lara! Si j'arrive pas ce coup-là, c'est bon, je me barre. Hein. On fout de ces matériaux. D'affût. Eh ben, d'affût, c'est bon. Ça m'a gavé. Je suis trop mauvais en ennemi. Là, c'est le passage après le pont, j'imagine. C'est le même passage que le pont. Exactement. Et là, le passage qui était sur ma droite. Ah, c'était le passage qui était sur ma gauche, pardon. Qui était le bon. Donc, par contre, on va retourner au camp. Pour cette fois-ci, on a l'argent sassé pour l'amélioration que je voulais. L'amélioration de bourrin. Ça, mais alors ça ajoute quoi en fait? Ah, le petit truc au bout. Étranglement maximum. Ajoute un mode de tir alternatif qui empêche la dispersion, augmente ainsi la portée. Étranglement maximum. Je ne comprends pas à quoi ça peut servir en fait. En fait, je crois que c'est la dispersion, c'est comme un fusil à pompe quoi. Un fusil à pompe, c'est de la chevrotine, c'est pas une balle qui part tout droit, contrairement au KG de M23. Ah, il en me blague. De M23, de Black Ops 2, de Black Ops 2 pardon. Par contre, il y a un pilier. Oui, là, juste là. Bigle, bigle. Donc, j'étais en train de dire. Un pompe, c'est de la chevrotine, donc c'est pas une balle qui part tout droit. Normalement, c'est plusieurs petits. Ça explose en fait. Et c'est plusieurs petits fragments qui partent de chaque côté. Et je pense que le truc que je viens d'acheter, ça augmente la quantité de fragments, donc la portée latérale. Oh. Tiens. Fail, encore comme d'hab. Mais où? D'où? D'où je l'ai pas eu? D'où je l'ai pas eu? Ta mère! Il est où l'autre? Oh! Alors là, si je t'ai pas eu, mon gars. Si je t'ai pas eu, je m'appelle pas Lara Croft. On peut sauter là? Vous pensez que c'est sautable là? C'est risqué! C'est bon. Oh, une 9e statue! Oh là là, mes statues elles sont. Ça va être vite fait, mon gars! Je trouve tout, moi je suis un beau gosse! Vas-y, j'ai que ça qu'à dire! Nickel chrome! Défi mise à jour! Comment je me rends là-bas? Il y a un chemin, tout simplement. Ouais. Ok. On y got! Ah, oh, c'est quoi qu'il a? Ah, c'est des éclairants. C'est de la TNT. Ça. Encore une fois, j'ai les flèches pleines. Let's go. Oui. Oh, je vais se manger le truc. Ah non, dommage, j'aurais été lol. J'aurais été lol. Regardez-moi ce piece. Non, mais on a combien d'auteurs là? Mais what? Non, non, on va pas trop s'approcher. Là, faut prendre le pompe. Discrétion maximale. Oh, une cloche. C'est pas là. What the f...
What the... Une... Oh mon dieu, c'est bon maintenant. Lara, t'es là? Je suis là, Sam. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'ils me veulent, Lara? Un rituel de feu? C'est du délire! Ils veulent t'immoler? Écoute, je viens te chercher. Ne t'en fais pas. Je vais te sortir de là. Je t'en prie, sors-moi d'ici, Lara. C'est promis. Bah, on va te transformer en M. À bonne mouille. Sam! Ils vont faire de toi durer quand on est. Je sais que c'est raciste que je sors. Okay. Qu'est-ce qu'elle a watch? Ouais, mais t'es passé comme une furie là, sans même prendre le temps de regarder. Voilà, y'a des balles de pompe. Prends ton temps un peu, c'est pas que ça, on s'en fout, mais un peu. Tiens, y'a ça, on peut s'ouvrir. J'adore le pompe, m'empêche. Y'a cette cloche. Elle est tombée d'où cette cloche? What the? Mais y'a rien au-dessus. Oh, style, la cloche, elle s'est pris un fou rodin dans sa gueule, elle s'est fait éjecte. Ou non, elle était juste pendue là, ça s'est cassé la gueule. Et moi, j'ai toujours les scénarios les plus farfelus. Voilà, pourquoi fallait venir là. Et là, on est retour au début. Eh, on n'est pas retourné... Si les gens, je crois que c'est à cet endroit... Attendez deux secondes, je vais me marcher. Je crois que j'ai fait tomber la caisse, mais que je l'ai pas prise comme un crasso, ça. Je pense qu'on s'en rend compte. Je crois que c'est à cet endroit que j'avais sauté et que je m'étais suicidé dans un épisode. Je voulais sauter ici et mais on pouvait pas. Logique, il faut y aller maintenant. Ok, tout s'explique. Saute! Des mines de pompe. Bon, les gens me disaient du pompe. Hein. Des mines de pompe, on en a. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un signe de vie en bas? Ouf! C'était quoi? C'était Lara Croft qui a passé par le plafond. Un morceau de l'avion? Reste là. Je vais aller jeter un œil. Oh, je peux le choper pour faire tomber de la falaise? Rien ici! Putain de ruine. Ces saloperies s'écroulent dans toute l'île. Ouais? Et moi? Je suis une ruine! Elle est pas morte! Oh non! Oh non, je suis trop mauvais! Je me suis foutu le feu en tirant dans les barils. Ah putain, mais un coup de truc dans sa gueule, il est même pas mort. Allez, on passe à travers le mur. Que... Mais, oh mais il leur faut combien de balles? What the? Il me nique. Oh là là, comment il me fait mal avec son pompe lui. Tiens, ça prend le respect moi. Les balades des féminines. Mais non, mais c'est pas possible. Mais le nombre de balles de pompe qu'il leur faut, mais what the... Tu t'es pris un coup de rechevrotine dans la gueule, mais tu bouges plus, t'es mort, t'es cap. What the... T'as vu personne? Mais what the... Mais c'est cheat. C'est des totally cheat, ces mecs. Comment t'es? Dommage. Et il y a une corde. On remonte en cadure. Mais what the... Oh mon dieu. Ah oui c'est vrai, j'ai beaucoup de flèches. Je lui remets rien du tout. J'ai un arc. Je suis mauvais là. Voilà, tu vois que je te dis que je suis mauvais là. Je remets que dalle. Tiens, headshot, motherfucker. Tiens, headshot, motherfucker. Si, all fist death. Allez, tu veux la jouer comme ça? À couvert. Tiens. Tiens, est-ce que j'en fais ton nom?
Tiens, je crois que c'était des tonneaux pour qu'il arrive sur la gueule, mais c'est... moi je les pète comme ça parce que je suis un ouf. Ah, une modification d'armes disponible, c'est nickel ça. Tout est rechargé, mais bon. Oh, qu'est-ce que... Ah, un dernier cadavre que je n'avais pas fouillé. On est dans la carcasse de quoi là? Pourquoi il y a une musique stressante comme ça? J'aime pas. Encore une carcasse d'avion. Il y a que ça partout. Ah! Ah non! J'ai cru que c'était une flèche. Le haut de mon arc, j'ai cru que c'était... Regardez là, on dirait qu'elle a une corne. Qu'elle a un truc fourré dans l'œil. J'ai cru qu'elle avait une flèche dans l'œil. Mais non. C'est... Pas moyen de contourner. Je dois traverser. Ah ouais? C'est pour ça que c'est la meilleure idée que t'aies jamais eue. Tiens toi, fais quelque chose. Non, 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 non. Hey, fais quelque chose là, tu t'es de merde là, lâche rien là, c'est bien la cinématique. Hein. Là je vais faire défou comme une conne. Ah, ça doit faire mal. Allez, allez, esquive. Faut prendre le pont pour péter les murs. Tiens. Oh putain l'hélice! Oh putain le bois! Oh y... Ah! 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 Ça valait le coup juste pour voir cette mort. Parce que franchement elle est épique. Gorge profonde. Profondément dans la gorge, pardon. Fruit tendu! Non mais oui, mais c'est bon, on l'a déjà vu une fois quoi. Putain, ça va devenir pornographique à fort. J'en ai marre. Genre, faut que je m'en sors. Tiens, fuck you. À gauche, passe à gauche, passe à gauche. Oh, je me suis pris un truc. Je vois rien. Putain, mais que dalle, je vais me prendre un truc. Ah. Tiens. Non, 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 je vois rien. Mais pute. Appuie sur LS pour changer la position de Lara à l'écran. Je comprends pas ce qu'il veut me dire. Je vais essayer quand je serai à terre et quand j'aurai fini cette phase de ouf. Mais là... Ah, je rage. Je rage, je rage, je rage, je rage, je rage, je rage, je rage. J'en ai marre de me prendre des bâtons dans la carotide, moi. Putain. Je suis pas venu pour là. Pour là. Je suis pas venu pour ça. Pour mater la raccroche à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Allez, à ce coup là, on voit que dalle. À droite, à droite, à droite, à droite. À droite, à droite, à droite, à droite. À gauche, à gauche. Oui, oui. On a passé cette phase. Ok. Oh. Un parachute. Il y a un sac. Il y a un parachute, ouais, un sac à dos là, quand même. Oh. Non, 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 c'est pas une bonne idée. Et il y a une arme dans le sac à dos. Ah non, c'est le siège. J'attends. Alors, Swan et moi, fallait briser la glace. Énorme blague. Vas-y, vas-y. Non, mais tu te fous de ma gueule. Mais où moi ça? Mais sauve-toi la life. Oui. Oh, énorme. Oh, c'est tellement bon. Oh non, ça c'est pas bon, ça pique. Je me suis pris un écureuil dans la face. Aïe, un autre écureuil. Ah, c'était là. Putain. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Bon, ça mort, prends pas de l'eau, sinon j'aurais ragé. Parce que là, j'ai pas ragé, hein. Là, j'étais zèf. Calme, cool, pépère. Tranquillement. Oh, mais putain d'arbre de merde. Faire du slalom entre les arbres. À droite. Au prochain arbre, tournez à droite. Faites attention à la branche. J'ai dit, faites attention à la branche.
Je vais crever. Voilà. Mais comment je suis censé faire? Putain, mais cet épisode, c'est quoi là? C'est fail the man, le retour là, je pense. Obligé. Oh, c'est fail. Mais tu es mauvais. Mais qu'est-ce que je suis mauvais? J'aurais mieux fait de jouer en facile, hein, parce que là. Mais dès le début, je me prends un arme, mais encore! Mais fuck! Allez, on essaye de gérer les gens, là, on est concentré. On dit pas de la merde au niveau des pommes de pin, des écureuils et tout ça. Ça fait quelques minutes, je me suis pas pris un arme! Oui! Non, pas oui en fait. Ah! Oh! Ah, tu vas plus pouvoir avoir d'enfants, je pense. Ton ventre est un peu explosé. T'as la chance de pas peut-être pris le piolet dans la jambe. C'est ce que j'ai envie de te dire. Oui, je suis glauque alors. Mon petit village! Bah, quelle bouffée! Et relève-toi. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! C'est tout beau, c'est le palais d'Onsonsuki! Je sais pas d'où j'ai sorti ce nom, mais ouais, ça doit être une référence à quelque chose. Galerie croquis débloquée, machin truc. Non mais c'est du foutage de gueule complet quoi, on va arriver là-bas, on va être complètement dead. Il y a peut-être des provisions à bord. Ouais, il y a peut-être beaucoup de gens aussi. Un vent de compétences, nickel. Ah la peau. Une pièce de fusée à pompe, nickel. Il y a des mecs là. Qu'on visite les gens en essayant d'être ninja style. On peut aller là-dedans. Ah! Ah! Vous l'avez vu le cadavre? Ah! Ah! Elle peut même plus s'accrocher. On peut même plus s'accrocher. Elle a trop mal. Ah, c'est handicapant ça, j'avoue. Mais en tout cas, c'est un côté bien fait. Parce que si blessée, elle pouvait faire autant de trucs qu'elle faisait avant. Oh, mais les cas. Ah! Ah! Mais what the? Putain! Mais le bruit des mouches en plus. Oh mon dieu, que c'est glauque. J'adore ce jeu. C'est quoi ça? Ah, c'est des boîtes métalliques. Mais regarde ces bestioles. Oh putain. Oh. Petite bite. Oh la luminosité les gens, ça fait pique les yeux. Non, il est costaud mais il ira pas loin. Les autres ça donne quoi? Les autres ça donne que t'es mort. Que toi aussi. Non, vous foutez de ma gueule. C'est bugué. Oh, oh. C'est bugué là, je l'avais en. Vas-y, utilise tes balles, je dis rien. Oh la pute.
motherfucker. Plus personne. Tout est rechargé, c'est nickel. J'ai l'impression que ça ressemble automatiquement ou que moi, intuitivement, je recherche, je sais pas. Ah, mais qu'est-ce que c'est glauque. Y'a quoi là-dedans? Faut pas monter dessus. Oh là, tout des flèches enflammées, les gens. Il y a en solo? Je sais pas. En multi, il y est, mais en solo, je me rappelle même plus s'il y est. On verra. Parce que ça, c'est quand je l'aurai, ça pourrait être tellement utile pour allumer ces conneries, là. Oh, le piège. What the... What the f... Quoi? Quoi? Je suis bloqué! Je peux pas tirer de balle! Faut que je trouve un moyen de me débloquer là. Et vite. Re les gens, alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé avec ce piège là. Mais c'est pas du tout, c'est un bug, c'est moi qui ai un peu teubé pour pas m'en être sorti. Mais voilà quoi, c'était complètement bugué, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais absolument rien faire du tout. Donc bah j'ai. Elle peut vraiment s'accrocher à rien là pour. Donc il faut vraiment qu'on suive un trajet spécial où il n'y a pas besoin de s'accrocher. Là. C'était quoi ce bruit? Pas content, Smiley pas content. Oh, cette phase, les gens, je ne crois rien compris à ce qui se passait. Qu'est-ce qu'ils ont dans le corps? Et qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les gens qui sont là? Ils sont complètement tarés. Ils font des pièges où on peut pas s'en sortir. Non, mais comment ils veulent que le jeu continue, quoi? Ils sont fous, les gens qui sont sur cette île. Hein. J'en sais que le. Rien que faire ça, ça me fait mal en fait, ça fait des dés. Attention, laissez-vous à couvert. Alors, j'ai une balle de sécession. Même si c'est une balle. Tiens, mange-toi ça. Tiens, mange-toi ça, je te dis. Oh, t'es mort de façon classe, toi. Yeah, yeah, et je me repose, t'as vu? Salut, poupée. Pas boire un verre? T'es mort de façon funky. Tu devrais être content de toi. J'ai encore trop de flèches. Utilisons des flèches même si je suis mauvais. Ouais. Ça fait un peu une représentation de la mort. Et ça fait un peu aussi qu'il y a un truc à faire derrière. Oh putain! T'es où? Enfoiros. C'est interactif ce machin. Donc tu n'y sers rien du tout, je sais pas où t'es. Oh le salaud! Oh mais ils visent bien dans le jeu en plus les gens. T'inquiète, je sors, t'inquiète. Tiens! Tu l'as vu sortir celle-là? En tout cas, moi je l'ai bien vu rentrer dans ta tête. Ah ok. Allez Lara. Allez confiance. Enfin, avec confiance. T'es un peu dans la merde énormément, mais c'est pas grave. Encore un avion, comme d'hab, y'a que des carcasses d'avion. Ah, il trouve sa farm. Des pelouls. Merde. Ah, plus de pelouls. T'as mal, hein? Oh, comment les yeux sont buggés! Désolée. Elle a les yeux buggés! Il y a un bug au niveau de ses yeux! Regardez! Ils sont à moitié fermés, à moitié tout noir. Elle est en train de le touch là. Là, ça y est, ils sont plus buggés. Il y a eu un bug avec ses yeux pendant un moment. Un briquet!
Encore plus pratique que l'allume-feu. Stylo, à scotériser la pièce, la plaie. À scotériser la plaie. Elle est complètement tarée. C'est quoi ce off? Ça va pas mieux dans ta tête. C'est bon, c'est pas grave, depuis le début de l'aventure, c'est ça, on n'a rien eu. Oh mais ça va pas mieux dans ta tête. Elle est complètement folle. Ouais, tu peux pleurer. En plus, t'as dû faire bien du bruit, tu vas meuter bien des gens. Briquet. Arc. Flèche en feu. Oui. Oui. Flèche en feu. J'ai compris ce qu'elle voulait faire. Et moi, ça me plaît, ça. Tu sais, t'es rentré dans cet avion juste pour... Flèche incendiaire. Voilà. C'est tellement bueno, ça. On en a autant qu'on veut, des flèches à l'incendie. Enfin, toutes les flèches, on peut les élever. Ça sera tellement utile. Ross, tu m'entends? Ross? Rambo! Lara, tu vas bien? Je vais bien. Rambo, toujours en vie, comme d'hab. Je vais bien, Ross. Où es-tu, Lara? Je suis dans une espèce de bidonville, près du palais fortifié. Je suis toujours sur la colline. Comment tu as fait pour descendre aussi? M'attendais sous la colline. Oui, je vois le bidonville. Ah, je suis un peu tombé, en fait. Tu es près du grand portail? Je me dirige vers lui. C'est la fille! Oh, merde. Là! Oh putain, il prenait ses potes. Oh putain, je suis dans la merde. Oh putain.